Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Le ministre de la Défense nationale Aboubacar Sidiki Camara, connu sous le nom d'Idi Amin, a exprimé sa frustration face au retard dans l'exécution des travaux sur les chantiers du Britannique militaire à Tabili, dans la préfecture de Kindia, lors d'une visite de terrain. Le ministre a vivement critiqué plusieurs entreprises guinéennes impliquées dans ce projet, les accusant de ne pas respecter leurs engagements. Je suis déçu des entreprises. J'ai dit que je ne donnerai pas les travaux du ministère de la Défense à des étrangers. C'est aux Guinéens de faire travailler les entreprises guinéennes, a affirmé le ministre Camara lors de son intervention relayée par la RTG. Sur le site du chantier, seule l'entreprise dirigée par Thiemo Barry semble avoir avancé conformément au délai fixé, contrairement à d'autres qui accusent un retard considérable. Ce que nous voyons ici, il n'y a que Thiemo Barry qui est en avance par rapport aux autres, a-t-il ajouté, soulignant l'importance de respecter les échéances convenues. Le ministre de la Défense a par ailleurs rappelé que la date butoir pour le déménagement du Britannique militaire vers ce nouveau site est fixée au 1er septembre 2025. À partir de cette échéance, les travaux d'extension devraient se poursuivre pour achever l'ensemble du projet le 1er septembre 2025. Il faudra que le Britannique militaire déménage ici pour qu'on continue les axes d'extension, a insisté le ministre. Face à ce retard, Aboubacar Sidiki Camara a évoqué l'application des sanctions légales contre les entreprises en faute conformément aux dispositions contractuelles prévues. On va appliquer la loi sur les pénalités de retard, a-t-il averti, déterminé à imposer des mesures strictes pour éviter de nouveaux retards. Cette déclaration réitérée est donc la volonté du ministre de privilégier les entreprises guinéennes dans les projets du ministère de la Défense, tout en exigeant d'elles un haut niveau de performance et de respect des engagements pris. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne. Partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.